Et bonjour à tous, c'est Brasi, votre gamer préféré du mois, je l'espère. On se retrouve donc pour la boutique du jour du 21 janvier 2023, donc avec le retour du pack Naomi Osaka, avec Naomi Osaka et sa raquette royale qui sont accessoires de dos et son outil de collecte. Naomi Prêtresse Sombre avec sa raquette de promo qui est son accessoire de dos et également son outil de collecte. La posture de service, c'est la petite emote. Le Nam porteur de reine, c'est le petit planeur. Et le Cérébrum Maudite, c'est le deuxième petit planeur, tout ça pour 2700 V-Bucks. Hors pack, vous avez Naomi Osaka et sa raquette royale qui sont accessoires de dos et son outil de collecte pour 2000 V-Bucks. Naomi Prêtresse Sombre avec sa raquette de promancie et sa raquette donc qui est son outil de collecte et son accessoire de dos pour 1600 V-Bucks. Vous avez le petit pack planeur, Nimbo porteur de reine et Scélérot Brune pour 800 V-Bucks. La posture de service pour 300 V-Bucks. Voilà, un petit smash. Voilà, même pas. Voilà. Ensuite, vous avez le pack venu d'ailleurs avec Bill l'humain et un ballon météo, c'est son accessoire de dos. Léviathan et son aquarium potatif, c'est son accessoire de dos. La soucoupe tranchante, c'est son outil de collecte. Le Zorgoton, c'est une autre tenue, pardon, avec deux costumes pour 2500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack d'équipement venu d'ailleurs avec la sonde spatiale qui est le petit planeur. Le global, c'est un outil de collecte. Les protogivrés, un autre outil de collecte. Et pour finir, extraterrestre, la petite simote. Tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, vous avez l'humain et un ballon météo pour 1800 V-Bucks. Léviathan et l'aquarium portatif pour 2000 V-Bucks. Zorgoton et sa soucoupe tranchante pour 1200 V-Bucks. La sonde spatiale pardon, pour 1200 V-Bucks. Le global pour 1200 V-Bucks. Les poteaux givrés pour 500 V-Bucks. L'extraterrestre pour 500 V-Bucks également. Donc voilà. Ensuite, vous avez Jade qui fait son retour. Invoquer l'esprit de combat saison X, premier chapitre, avec ses 3 customs différents pour 800 V-Bucks. Voilà. Le pack Revanche des rats avec Camille et son cœur rongeur qui sont accessoires de dos. La queue de rat, c'est son outil de collecte. Le rat vêtement, c'est son vêtement d'armes. Le rat des rues, c'est son écran de chargement. Et pour terminer, vous avez Ratisation, qui est la petite emote épique qui vous permet de vous transformer en rat. Voilà, pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez Camille, son cœur rongeur et Ratisation pour 1500 V-Bucks. La queue de rat pour 800 V-Bucks. Le rat vêtement pour 300 V-Bucks. Voilà, donc. Ensuite. Vous avez le pack Néon avec Nocturia et Luminex avec leur bâton luisant qui est leur outil de collecte. L'étinceur, c'est le petit planeur. Donc, pardon, là c'était Luminex et Nocturia. Voilà, le petit planeur pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez Nocturna et pour 800 V-Bucks. Luminex pour 800 V-Bucks. Le bâton luisant pour 800 V-Bucks également. L'étinceur pour 500 V-Bucks. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez le retour de Terra Désert à survoler la concurrence. C'est parti ensemble. Terra Désert disponible depuis la saison 4, premier chapitre, avec son réservoir d'oxygène qui est son accessoire de dos. Donc voilà. Pour 2000 V-Bucks. Ensuite, vous avez Patrouilleur des Neiges et sa cryo-chambre qui sont accessoires de dos pour 1200 V-Bucks. Le petit bolide pour 500 V-Bucks. Les Fénacrés pour 300 V-Bucks. Maï Aï saison 4, chapitre 3 pour 400 V-Bucks. Sur ma chaise, saison 2, chapitre 2. Saison 1, pardon, chapitre 2 pour 200 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack Venom avec Venom et son symbiosac qui sont accessoires de dos. La trancheuse symbiotique, c'est son outil de collecte. Nous sommes Venom, c'est la petite emote pour 2000 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Spider-Man Zero avec Spider-Man Zero et son Spider Drone qui sont accessoires de dos. La trancheuse toilée, c'est son outil de collecte. Le salto de Spider-Man, c'est sa petite emote. Tout ça pour 2600 V-Bucks. Hors pack, vous avez Spider-Man Zero et son Spider Drone pour 1500 V-Bucks. Mary Jane et Watson avec sa grade toilée qui sont accessoires de dos et son outil de collecte pour 1500 V-Bucks. La trancheuse toilée pour 800 V-Bucks. Le salto de Spider-Man pour 300 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le pack Iron Man Zero avec Iron Man Zero et son module répulseur qui sont accessoires de dos. Le gantelet à lame, c'est son outil de collecte. Les 7 à sa façon, c'est son revêtement d'armes. Le front de la gare 0, c'est son écran de chargement. Et pour terminer, Runman se révèle. Tout ça, c'est les modes intégrés. Tout ça pour 2500 V-Bucks. Ensuite, vous avez Monk Knight et sa cape de Monk Knight pour 1500 V-Bucks. Les fléchettes en croissant de lune, c'est son outil de collecte pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack pour 2500 V-Bucks, Dieu du tonnerre avec Thor Ordison et sa cape de Thor. Mighty Thor et sa cape de Mighty Thor. La Stormbringer, c'est une petite collecte. Le vol de Stormbringer, c'est un premier petit planeur. Le Moromir réformé, c'est un outil de collecte. Le vol de Moromir, c'est un deuxième petit planeur. Le dieu de tonnerre, c'est écran de chargement. Et pour finir, l'émote marteau en main. Tout ça pour 2500 V-Bucks, donc voilà le prix du pack. Ensuite, vous avez Captain America avec son bouclier en proton adamantium qui sont accessoires de dos et son outil de collecte pour 2000 V-Bucks. Le Din Salus, c'est sa petite emote pour 300 V-Bucks.
Voilà. Ensuite, vous avez le pack Hulk avec sa chambre gamma, son accessoire de dos. Le démolisseur, c'est son outil de collecte. Luke Ekra, sa petite emote. Attention, rayon gamma, c'est derrière au sol, tout ça pour 1800 e-bucks. Hors pack, vous avez Hulk et sa chambre gamma pour 1500 e-bucks. Démolisseur et attention, rayure gamma pour 800 e-bucks. Donc ils sont ensemble. Luke Ekra pour 300 e-bucks. Ensuite, vous avez Thanos et le Gantelet de l'Infini qui sont accessoires de dos pour 1500 e-bucks. Le Clax et sa petite emote, tout ça pour 200 e-bucks. Les écrasseurs de Luke pour 1200 e-bucks, c'est un autre outil de collecte, donc voilà. Ensuite, vous avez donc la sorcière rouge, le pack sorcière rouge avec sorcière rouge et sa cape de Vanda qui sont accessoires de dos. L'âge du chaos, c'est l'outil de collecte. L'amélioration psychique, c'est sa petite emote. Et dans la dimension miroir, c'est l'écran de chargement, tout ça pour 1800 e-bucks. Hors pack, vous avez donc sorcière rouge et sa cape de Vanda pour 1500 e-bucks. L'âge de chaos pour 800 e-bucks. L'amélioration psychique pour 300 e-bucks, voilà. Ensuite, vous avez le pack Ghost Rider avec Ghost Rider et ses chaînes infernales qui sont accessoires de dos. Les chaînes de feu mystique, c'est son outil de collecte. Le Ghost Planner, donc c'est le petit planner évidemment. Et le crâne de feu, c'est le revêtement d'armes. Voilà, c'est ainsi qu'un revêtement d'armes animé. Tout ça pour 2600 V-Bucks. Hors pack, vous avez Ghost Rider et sa chaîne infernale pour 1500 V-Bucks. Les chaînes de feu mystique pour 1200 V-Bucks. Le Ghost Planner pour 1200 V-Bucks. Le crâne de feu pour 500 V-Bucks. Voilà donc. Ensuite, vous avez toujours le pack, la collaboration Deadpool avec Deadpool et sa cage de corbeau poule, avec, pardon, un corbeau poule et sa cage de corbeau poule qui sont accessoires de dos. Canine poule et son nœud de canine poule, tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, vous avez corbeau poule et sa cage de corbeau poule pour 1500 V-Bucks. Câlin poule et son nœud de câlin poule pour 1500 V-Bucks. Le pack d'équipement de Deadpool, donc avec le Dracocorn qui est le petit planeur. Sur mon scooter, c'est la petite emote. Chimichanga, donc c'est notre petite emote. Et pour finir, les matos juteux, tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Dracocorn pour 1500 V-Bucks. Les maillets juteux pour 800 V-Bucks. Sur mon scooter, pardon, pour 500 V-Bucks. Chimichanga pour 300 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack Windows des neiges avec Black Window des neigeuses, pardon, avec sa lueur de Windows qui sort de dos. Les crocs de Windows, c'est son petit collecte. Les ailes de Windows, c'est son petit planeur. Tout ça pour 2200 V-Bucks. Hors pack, vous avez Black Window et sa lueur de Windows pour 1500. Les crocs de Windows pour 800 V-Bucks. Les ailes de Windows pour 800 V-Bucks également, c'est le petit planeur. Ensuite, vous avez Dark Phoenix et sa Force Phoenix qui sont accessoires de dos. Et la colère de Phoenix, écran de chargement, tout ça pour 1500 V-Bucks. Ensuite, vous avez, à part son emote, Vol de Phoenix pour 300 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le pack Surfeur d'argent avec le Surfeur d'argent et son étoile de héros qui sont accessoires de dos. La planche de Surfeur d'argent, c'est son petit planeur. La pioche de Surfeur d'argent, c'est son petit collègue. Tout ça pour 2200 V-Bucks. Hors pack, vous avez le Surfeur d'argent et sa étoile de héros pour 1500 V-Bucks. La planche du Surfeur d'argent, pardon, pour 800 V-Bucks. La pioche de Surfeur d'argent pour 800 V-Bucks également. Mince. Hop là. Et après, vous avez le pack Blade avec Blade et son épée de diamant bulle qui sont accessoires de dos et son outil de collecte. Vous avez les ailes d'urne, c'est son petit planeur. Et le kata de diamant bulle, tout ça pour 2300 V-Bucks, le prix du pack. Hors pack, vous avez donc Blade et son épée de diamant bulle, son accessoire de dos et son outil de collecte pour 2000 V-Bucks. Le kata de diamant bulle pour 300 V-Bucks. Les ailes d'urne pour 1200 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le pack X-Force avec Psylocke et son Shurayuki qui sont accessoires de dos. Domino et son sac de domino, câble et sa cape de câble, tout ça pour 3000 V-Bucks. Hors pack, vous avez Psylocke et Shurayuki pour 1500 V-Bucks, domino et son sac de domino pour 1500 V-Bucks, câble et sa cape de câble pour 1500 V-Bucks également. Après, vous avez le pack d'équipement des X-Force, donc avec la psycholame qui est un outil de collecte, le psychoplaneur, donc c'est le petit planeur, les dagues de probabilité, c'est un autre outil de collecte, et la force irrésistible, troisième outil de collecte, tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc une psycholame pour 1200 V-Bucks, le psychoplaneur pour 1200 V-Bucks également, les dagues de probabilité pour 800 V-Bucks, la force irrésistible pour 800 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le pack Daredevil avec Daredevil et son sens radar, c'est son accessoire de dos. Les matras de Daredevil, c'est son outil de collecte. Les ailes de Daredevil, c'est son petit planeur. Tout ça pour 2200 V-Bucks. Hors pack, vous avez Daredevil et son sens radar pour 1500 V-Bucks. Les matraques de Daredevil pour 800 V-Bucks. Les ailes de Daredevil pour 800 V-Bucks également. Ensuite, vous avez le pack X-23 avec X-23 et sa capsule de clonage qui sont accessoires de dos. Les griffes en adamantium de X-23, c'est son outil de collecte. L'insigne X, c'est son revêtement d'armes, tout ça pour 1900 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc X-23 et sa capsule de clonage pour 1500. Les griffes en adamantium pour 800. L'insigne X pour 500. Voilà.
Ensuite, vous avez le pack œil de faucon avec Clint Barton et son arsenal d'œil de faucon qui sont accessoires de dos. Kate Bishop et son carquois de Kate. L'arc piochesque qui est une petite collecte. La trancheuse tendue, un deuxième. L'arachné-revoile, pardon, ses petits planeurs. Et pour finir, les yeux de faucon, c'était l'écran de chargement, tout ça pour 2400 V-Bucks. Hors pack, vous avez Kate Bishop et son carquois de Kate pour 1500 V-Bucks. Clint Barton, pardon, et son arsenal d'œil faucon pour 1500 V-Bucks. L'arachnovoile pour 800 V-Bucks. L'arc piochesque pour 500 V-Bucks. La trancheuse tendue pour 500 V-Bucks également. Après, vous avez donc le pack bouffon vert avec le bouffon vert et sa bombe citrouille qui sont accessoires de dos. Armée la citrouille, c'est sa petite emote. La citrouille, c'est son petite collecte. Les ailes du bouffon, c'est son petit planeur. Et pour finir, l'écran de chargement, l'attaque du bouffon, tout ça pour 2100 V-Bucks. Hors pack, vous avez bouffon vert et sa bombe citrouille pour 1500 V-Bucks. Les ailes du bouffon pour 800 V-Bucks. L'âge citrouille pour 800 V-Bucks. Armée la citrouille pour 200 V-Bucks. Voilà. Ouais. Voilà, pardon. Ensuite, vous avez le pack Shang-Chi, pardon, avec son bouclier du grand protecteur qui sont accessoires de dos. Les lames de frein à main, c'est son outil de collecte. Les cailles dragons, c'est son vêtement d'armes, tout ça pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez Shang-Chi et son bouclier du grand protecteur pour 1500 V-Bucks. Les lames de frein à main pour 500 V-Bucks. Les cailles de dragon pour 300 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le pack Star-Lord avec Star-Lord et son sac de Star-Lord qui sont accessoires de dos. La danse avec moi, c'est la petite emote. Le Milano, c'est le petit planeur. Et l'âge des gardiens, c'est le petit collet, tout ça pour 2500 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc tenue de Star-Lord et le sac de Star-Lord pour 1500 V-Bucks. Danse avec moi pour 500 V-Bucks. Le Milano pour 1200 V-Bucks. L'âge des gardiens pour 500 V-Bucks. Voilà donc. Ensuite, vous avez toujours le pack Gamora avec Gamora et sa cape de Gamora. La diacide, c'est son outil de collecte. La planche diacide, c'est son petit planeur, tout ça pour 2200 V-Bucks. Hors pack, vous avez Gamora et sa cape de Gamora pour 1500 V-Bucks. La diacide pour 800. La planche diacide pour 800 également. Ensuite, vous avez le pack Ant-Man avec Ant-Man et San Antonio qui sont accessoires de dos. La fourmi redoutable, c'est son emote. Le cure-dent, c'est son outil de collecte, tout ça pour 2100 V-Bucks. Hors pack, vous avez Ant-Man et San Antonio pour 1500 V-Bucks. La fourmi redoutable pour 600 V-Bucks. Le cure-dent pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez Nick Fury et son sac à dos du Shield qui sont accessoires de dos. La faux du directeur, l'outil de collecte. Le planeur de frappe infiltré, c'est son petit planeur. Et Queen Jet en vol, c'est l'écran de chargement, tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Nick Fury et son sac à dos du Shield pour 1500 V-Bucks. La faux du directeur pour 800 V-Bucks. Le planeur de frappe infiltré pour 800 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le pack Gambit et Malicia et Gambit, avec Gambit et sa carte cinétique qui sont accessoires de dos. Malicia et son institut Xavier pour jeunes surdoués qui sont accessoires de dos. Et l'écran de chargement, Malicia et Gambit, tout ça pour 2100 V-Bucks. Hors pack, vous avez Gambit et sa carte cinétique pour 1500 V-Bucks. Malicia et son institut Xavier de jeunes surdoués pour 1500 V-Bucks. Le pack d'équipement de Malicia et Gambit avec le Backbird, qui est le petit planeur, l'aérocarte à notre planeur. La XH holographique, c'est l'outil de collecte. Le bâton de Lobo, c'est notre outil de collecte. Le jeté de cartes, c'est la petite emote. Et pour finir, vous avez pas de touche. Une autre petite emote, tout ça pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez Beau Lobo pour 800 V-Bucks. L'aérocarte pour 800 V-Bucks, pardon, j'aurais pu le dire. La XH holographique pour 500 V-Bucks. Le Blackbird pour 800 V-Bucks. Le jeté de cartes pour 300 V-Bucks, patouche pour 300 V-Bucks, voilà, pack et hors pack. Donc ensuite vous avez toujours le pack Zanzan animé pour 2300 V-Bucks qui comprend donc Banane Cartoon et son Milkshake Banane qui sont accessoires de dos. Le Banane Marteau, c'est son outil de collecte. Bruce Sky Cartoon avec sa ruche rétro qui sont accessoires de dos et Frappy la Fleur, c'est son petit outil de collecte. Et pour finir, le Zing Zanzan, c'est le petit planeur, tout ça pour 2300 V-Bucks. Donc ensuite vous avez toujours le pack de quête d'Inferno, donc pour 12 euros, avec Inferno et sa faux écarlate qui sont en outil de collecte. La brûlure, c'est son revêtement d'armes, et vous avez des quêtes supplémentaires pour gagner 1500 V-Bucks, pardon. Ensuite, vous avez toujours le pack Reflet Obscur pour 16 euros, avec Genésie Obscure, Chevaleresse Rouge Obscure, Joker Obscure et le petit bouclier Obscur accessoire de dos. Cube Sauvage, c'est notre accessoire de dos, et la hache Obscure, donc tout ça pour 16 euros, les amis, donc le prix du pack. Ensuite, vous avez toujours le pack Maître du Magma pour 15 euros, avec une incinératrice et son Kama double feu, Ragnar Ardent et ses ailes enflammées, le Roi des Flammes et le Pneu Infernal. Ensuite, vous avez toujours le pack Bioluminescence pour 8 euros, de quête, pardon, le pack de quête de Bioluminescence avec Actilumi et sa cuirasse Strass qui sont accessoires de dos, les visqueuses radieuses, c'est son outil de collette, il y a des quêtes supplémentaires pour gagner 1000 V-Bucks. Pareil pour le pack de quête d'Aqua Assassin pour 8 euros, avec Poisson Taupe
et son prédateur abyssal. Vous avez des cartes supplémentaires pour gagner jusqu'à 1000 V-Bucks, donc voilà. Ensuite, vous avez le pack Feu Obscur pour 15 € avec Guitariste Sombre, Présage Ardent et Archange Noir, chacun avec leur accessoire de dos, 6 cordes sombres, voile de combat ardent, les ailes pures noires. Ensuite, vous avez leur outil de collecte, Assaillante Sombre, Assaillante Ardente, Assaillante Noire. Ensuite, vous avez leur revêtement d'herbe, Angulaire Sombre, Angulaire Noir, Angulaire Ardent. Et pour finir, la petite Emote, Unification, Saison 2, Chapitre 1, Rééquilibrer votre Cosmo, tout ça pour 15 €, donc voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack Mina Fana de Métal pour 4 € avec Mina Park et son petit cœur qui est son accessoire de dos. La griffe insensible, c'est son petit squelette et vous gagnez immédiatement 600 V-Bucks en achetant ce pack. Et pour terminer, donc, nous avons le pack à 16 €, Gameuse Augmentée qui vous donne accès permanent à la campagne Sauver le Monde. Vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant les quêtes quotidiennes dans Sauver le Monde. Terminez la défense bouclier en bit tempête. Terminez la défense bouclier anti-tempête base 3 pour déverrouiller les quêtes quotidiennes et entamer ce pack de défis qui comprend la tenue Colby, le Connecto 128, c'est son accessoire de dos. Et tactile au point, c'est son petit collègue, donc tout ça pour 16 €. Sinon, vous êtes toujours possibilité de souscrire au Club Fortnite pour 12 € par mois. Là, depuis le mois de décembre, ils ont mis un pack de fidélité supplémentaire, avantage sur plusieurs mois, des objets cosmiques exclusifs au club, dont une nouvelle étape est dévoilée chaque mois, tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Ce jeu passe de combat, ils vont rembourser 150 V-Bucks. Vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois à date de facturation du club. Et ce mois-ci, en cadeau, c'est toujours Gilart avec sa défense dorée qui est son accessoire de dos. Et le glaive glorieux, son outil de collecte, tout ça donc pour 12 € si vous souscrivez au Club Fortnite. Voilà les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. Donc n'oubliez pas, si elle vous a plu, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En commentaire, vous mettez brasier pour voir si tu es resté jusqu'au bout. Et c'est très important pour le référencement sur YouTube. Si t'es pas encore abonné, c'est en bas à droite que tu peux le faire, c'est totalement gratuit. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et surtout pour me soutenir et soutenir la chaîne, les amis, c'est très important. Ça me permet de faire plus de contenu, de vous gâter davantage en vous faisant des cadeaux. Mettez le code brasier en majuscule en minuscule dans la boutique. Vous mettez abcété. Moi, ça m'aide énormément. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.